Venez, 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 les éléphants sont qualifiés. Les éléphants, oh! Venez, les gens, venez. N'ayez pas peur. Les informations sont bonnes. Les éléphants sont qualifiés. Parce qu'on a besoin de 4 meilleurs troisièmes. Voilà. 4 meilleurs troisièmes. Les éléphants sont qualifiés. Oui, il y a vraiment, tu dis, on n'est pas encore qualifié. On est qualifié. Je vous explique, c'est très simple. Ne mettez pas les organes. Calmez-vous, ceux qui ont commencé à casser les bus, casser les trucs, les gars. Allons-y doucement. C'est le sport. Oui, ça fait mal, mais c'est pas. Mais pas les organes. Voilà. Les éléphants sont qualifiés. Je vous dis et je vous répète, la stratégie sera très simple. C'est soit on baigne dans l'hypocrisie, c'est soit on appelle les deux, en tout cas, les deux grands marabouts de Côte d'Ivoire. Il dit marabout encore. Les pasteurs et les marabouts. De l'autre côté, on va appeler Aziz 47. Voilà. De l'autre côté, on va appeler Aziz 47. Parce que Cameroun doit faire nul demain. Enlevons l'hypocrisie de bel et beau là. Tous les Ivoiriens doivent prier pour. De toute façon, Ghana a fait nul. De toute façon, je me suis serré mon cuisse Ghana comme ça. Famille, yes. Quand j'ai coupé le direct, je suis allé serrer mes fesses sur Ghana. J'ai serré mes fesses. J'ai dit tout sauf ça. Si le Ghana gagnait, là on était en pain. Mais actuellement, il nous reste 5. C'est-à-dire qu'il nous reste 5 équipes. Il nous reste 5 équipes. Et si les 5 équipes là, Cameroun est dedans. Donc tous les Ivoiriens, tous à l'unanimité. Parce qu'on est bien parti pour faire partie des meilleurs troisièmes. Dans les calculs, quand tu calcules bien, on est très bien parti pour faire partie des meilleurs troisièmes. Parce qu'on a encaissé 4 buts. On a marqué 2 buts. Donc 4 moins 2, il va rester 2. Donc on a 3 points plus 2. Est-ce que vous comprenez? Plus 2 buts. Donc demain là, Cameroun, de la manière qu'on a serré cuit, et puis Ghana est éliminé avec mention très bien. C'est-à-dire que parmi les 3 meilleurs troisièmes là, Ghana est éliminé. Donc il reste combien d'équipes? Il reste 6 équipes. Donc demain, tous les Ivoiriens, laissez l'hypocrisie là. Tout on doit, c'est-à-dire qu'on doit apporter notre soutien indélébile. Soutien indélébile à la Gambie. Ça ne doit pas chauffer. C'est-à-dire que demain, là, Gambie, là, on doit lutter pour que ça soit nul. Ce soit notre pays, ce soit le pays d'autrui. Ouais, nos joueurs sont nuls, on a compris. Nos joueurs sont sacs, on a compris. Mais là, là, meilleur troisième, là, il y a sorcellerie dedans. Donc, j'appelle ici Aziz 47. J'appelle Makoso Camille. C'est là, là, mon vieux Makoso. Où on dit une de succès, là. Une porte-bonheur, là. Une de chance, là, mon vieux. Prends un bon lot. Faut aller à l'hôtel, là-bas. Faut aller à l'hôtel des éléphants, là. Ou bien, faut payer ton billet la nuit, là. Va au stade, faut asperger ton huile là-bas. Parce qu'ils vont jouer à Yam Soukro demain. Va asperger ton huile sur le terrain. Parce que ça, là, ton huile, là. C'est-à-dire, quand il y a les pasteurs de Côte d'Ivoire maintenant, même là. Quand il y a. C'est-à-dire, depuis lequel a commencé, là. Quand il y a les pasteurs de Côte d'Ivoire maintenant, moi, je rigole. Quand il y a les sorciers, les féticheurs de Côte d'Ivoire, là. Moi, je rigole. Hé! Hey, c'est-à-dire, vous, on les attend maintenant. C'est là, maintenant, vous devez montrer que dans le pays, là, vous êtes sorcier. C'est-à-dire, le pays compte sur vous. On a compté sur eux, ils n'ont rien fait. On compte sur tous les sorciers, là. C'est là, maintenant, vous devez nous montrer que sorcellerie, là, vous allez finir ça. C'est maintenant les pasteurs de Côte d'Ivoire qui font les miracles matin, midi, soir, là. Pour emmerder les Ivoiriens, là. Qui voient un sorcier dans la famille de tout le monde, là. Qui ont succès des gens dans les mains, là. C'est là, maintenant, là. On veut vous voir agir. Parce qu'on est bien parti pour être meilleur troisième. On est bien parti. Donc si on ne met pas. Hé, hey, moi demain là. Demain là, Gambie. Wallah Bilay soutient Gambie. Façon, je serai cuit sur Cameroun demain. Un Ivoirien qui allait supporter Cameroun demain. C'est que toi-même, tu comptes nous. S'ils ont 2 points,
Si ils ont 2 points, ben si Cameroun fait nul demain, ils ont 2 points. Ils ont 2 points. Eric, 2 points. Il y a des gens ici qui disent non, il ne faut pas sorcellerie de ballon. Quoi? Vous ne voyez pas les Sénégalais, ils ont les gris-gris autour d'eux. Les Sénégalais, ils sont venus avec gris-gris. Hein? Eux jouaient gris-gris. Sénégalais, là, eux jouaient gris-gris. Le gardien, il a balèze gris-gris sur son dos comme ça. Aïe! Les Sénégalais jouaient gris-gris. Qui a dit que ça ne joue pas ballon gris-gris? On dit vous êtes venus pour représenter votre pays. Le match, là, hormis que ce soit physique, là, mais c'est mystique aussi. Ballon joue là, hormis que ce soit physique là, c'est mystique aussi. Les vieux de leur village là dorment pas. Hein. Les Sénégalais sont venus à gris-gris. Les Burkinabés sont venus à gris-gris. Les Maliens sont venus à gris-gris. Les Maliens qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont porté les Dregedeni, non? Nous tous on connaît ce qu'est Dregedeni. Qu'est-ce que Dregedeni là, ça représente quoi? Les Maliens ils sont rentrés en Côte d'Ivoire Dregedeni. Les Maliens sont rentrés en Côte d'Ivoire Dregedeni. Les Sénégalais là, le gardien là, il était pris en flagrant délit, elles sont gris-gris dans son dos. Lourd gris-gris dans son dos. Le Burkinabé pareil, ils ont soulevé son habit comme ça là. Il y a gris-gris, elle remplit comme ça. Aïe, mais pourquoi nous on a Marcoso? On a Marcoso, on a Aziz 47. Aziz 47 là, c'est mondialement connu. Le plus grand médium de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il ne fait pas des trucs pour nous sécuriser? Marcoso, c'est le plus grand pasteur de la Côte d'Ivoire. Lui, il vend l'huile. C'est-à-dire que lui, il vend des produits pour te faire trouver du travail. Titre de séjour, voyage. Lui, il a tout ça. Là. Mais pourquoi on ne met pas ça? Je veux comprendre. Les pasteurs qui font les miracles en Côte d'Ivoire, là. Je veux comprendre. On a besoin de vous maintenant. Ceux à qui Dieu parle, ceux à qui Dieu parle, là on est dans le problème. Où mais Dieu n'est pas. Ceux à qui Dieu parle. Ceux que Dieu fait révélation matin, midi, soir. Là. Mais Dieu vous a parlé sur la Côte d'Ivoire. Qu'on est dans paix ou n'est pas dans paix. Je vois des pasteurs qui sont en effet direct aussi. Non, les éléphants. Mais normalement, Dieu devait vous prévenir. Normalement. Quand je vois un pasteur faire direct, moi, est mal. Mais toi, Dieu te parle. Dieu t'a pas dit que non, quand tu vas les perdre. Au moins, les 4 à 0, on allait anticiper. Je ne sais pas. Dans vos Canaries, là, vous n'avez pas vu que Dieu. Vous n'avez pas vu quelque chose. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on doit abolir en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on doit abolir en Côte d'Ivoire. Même les marabouts, là, si c'est pour tuer, si c'est pour prendre poulet dans les gens, ils sont premiers. Il n'y a pas quelqu'un qui a un poulet que marabout. Mais voici événement dans un pays. Montrons-nous quand même. Il y a pénalty contre nous. Oh, vous ne faites rien. Il y a des sorciers. Moi, si je suis sorcier, là. On dit, l'habit en train de courir pour aller à la va comme ça, je coupe tout. Il y a quelqu'un qui sont aussi, il y a des compétences. Je sors de mon corps. Mais si on dit pénalité contre Côte d'Ivoire, et puis il y a quelqu'un qui peut sortir de mon corps. Mais je sors de mon corps rapidement, il m'a débranché tous les fils qui sont là-bas. Aïe! Dans une sorcellerie, là, ça sert à quoi en fait? Quand on dit que je sors de son corps, là, c'est par rapport à quoi? C'est parce que tu peux sortir de ton corps pour te retrouver ailleurs, non? Ou bien? Si on dit l'avare, je sors de mon corps, quelqu'un s'en marquait mon pays. Moi, je sais que je suis sorcier. Je sors de mon corps. Mais je sors de mon corps, je mets le tacler. Je mets attraper ses pieds. C'est je mets le fait tomber par terre. Mince. Je mets le fait tomber. Je mets faire quelque chose. Les sorciers de Côte d'Ivoire, vous servez à quoi? Moi, je vends parfum d'Israël, huile pour succès, huile de réussite. On dit à l'éléphant de Côte d'Ivoire joue, je ne vais pas le donner un peu. Mon pays joue. Mais il m'a versé un peu sur eux. Il vous parfume pour que vous gagnez le match. C'est Dieu qui a donné, non? Dieu m'écrit dans sa parole. Je vous ai donné gratuit.
Quand tu veux, quand tu... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parfois, quand il y a derrière les sorciers, quand ils disent, oh, moi, je suis sorcier. Oh, moi, je suis ceci, ceci. Je dis, là, vous faites rire. Vous n'êtes pas sorcier. Vous êtes des plaisantins. Parce que moi, si je suis sorcier, là, télé de l'avant, là, ça ne va jamais marcher pour nous. Pour nous seulement, là, ça ne va jamais marcher. C'est-à-dire que le temps qu'il habite, il va aller regarder si c'est hors jeu ou pas, là. Il y a déjà tout débranché. C'est-à-dire que les deux bulles, moi, je suis sorcier, si c'est terrain. Mais ils débranchent tout. Aïe, le temps, ils m'ont dit, on va regarder la VAR, ils bloquent tout. Il n'y a pas VAR, on continue le match. Il n'y a pas VAR. Et puis après, ils rentrent dans mon corps encore. C'est les moutons, là, vous blaguez où? C'est les... Moi, je comprends. Je comprends. Quand tu vois, si on pouvait vendre ce pays-là, si on pouvait vendre ce pays-là, c'est, je ne comprends pas. Mes familles, regardez, expliquez-moi. Les gens nous font peur sur Internet comme ça. Hein? Moi, je vois tant. Hein? Moi, je voyage tant. Ah, moi, Dieu me parle. Ah, moi, il y a ce qui est destin. Moi, mon vieux père Aziz, le vieux Moro Aziz 47, là, il t'appelle, mon vieux. Il y a un moment donné, là, on a besoin de tout le monde. Chacun doit mettre la main à la pâte. Mon vieux, si tu pouvais faire quelque chose, faut faire quelque chose. Cameroun doit faire nul demain, mon vieux. Cameroun doit faire nul demain. Mon vieux, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose pour les Ivoiriens. Tout la Côte d'Ivoire te regarde. Cameroun doit faire nul demain. Au moins, là, on fait partie des meilleurs troisièmes. Les matchs de demain doivent être succédés de nul, 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 nul. Les sorciers de Côte d'Ivoire, vous êtes où? Mais on a dit que quelqu'un a réussi. Quelqu'un a devenu ingénieur qui parle. Vous n'avez pas dit moyen en sorcellerie. Alors que les Maliens, là, les Burkinabés, là, eux donnent les Gbagbadji à leurs enfants pour venir jouer au ballon. Hein. Eux donnent Gbagbadji. Pour Sénégal, là, c'est pas comme si on nous expliquait. On a vu ça à la télévision. Le gardien, pour lui, on a vu bébé. Les vieux Sénégalais les ont attachés un gros trou sur son dos. Quand on met un boulet comme ça, les cancers ont une main. Les vieux Sénégalais les ont donné le Gbagbadji à leurs joueurs. Regardez-moi le petit même là. Il y a un enfant dans le Sénégal là. Peut-être qu'il ne se repose pas. On dit la 20 ans, mais 21 ans. Il couille, il ne se repose pas. Tellement le Gbagbadji, tellement ils sont préparés, tellement ils sont cuits. Ils sont venus en guerre. Mais il y a un meilleur pour nous là même. En dirait les gens de CVAV là. Nos joueurs là. Ils sont nonchalants comme ça. Tu sens qu'ils sont vides à l'extérieur. Ils sont vides à l'intérieur. Ils sont même pas passés chez quelqu'un. Dans le temps même là, nos parents partaient à Accra. Ah oui, 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 oui. Dans le temps là, nos parents partaient à Accra. Ah oui, 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 oui. Parce que les sorciers de Dabou, là, ils travaillaient. Et ils disaient que là, hey, c'est ballon. Hein, mais on se teste les niveaux aussi. Mais depuis qu'ils sont allés à Krajou, ils ont pris même sorcellerie ivoirienne, allaient prendre crédit. Même pour faire Zamou encore, ils sont allés prendre crédit. Donc depuis ce jour, ils ne veulent plus aller à Krajou. Mais ils sont allés prendre crédit là-bas. Même Zamou, crédit. Donc là, demain là, hein, au lieu de faire vidéo, vous dites, chers éléphants, on soutient, vous qui voyez clair là, vous qui sortez dans le spirituel là, vous à qui Dieu parle, science. Faut pas, Dieu va vous parler si les gens sont seulement cadeau, cadeau. Les pasteurs à qui Dieu parle, là, vous qui êtes parti dans le dimanche d'église, vous dites, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, dites à Dieu que, voilà, parce que là, c'est, moi je vous approche. Poliment. Dites à Dieu que les Ivoiriens disent c'est comment? Ah, c'est que Dieu qui règle le problème. Il n'a pas de solution. C'est que Dieu qui est là que pour le problème. Lui, quand il y a une solution ici, il ne dit pas. Il y a ici qui dit, toi, t'as d'accord.
Moi, l'unique, moi, d'agwe, maudit, là. Donc, la team, la Côte d'Ivoire est qualifiée. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Mais une chose est sûre, cette fédération doit démissionner. On rigole, hein? Mais cette fédération doit démissionner. Qui ait le courage de démissionner? Ils doivent partir. Ils sont incompétents. Cette fédération ne mérite pas l'amour des Ivoiriens. Ils sont trop violents. Regardez, il n'y a pas d'espoir. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant le championnat ivoirien, là, on courait pour aller regarder le championnat ivoirien. On était fiers d'aller supporter à sec, Africa et tout, et consort. Parce qu'on savait qu'il y avait des pépites là-bas. Les recruteurs venaient en Côte d'Ivoire dans le seul but de recruter des pépites en Côte d'Ivoire. Mais qui vient recruter pépites en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Un championnat même où Jonathan Morrison fait plus de bruit que eux. Jonathan Morrison, il fait plus de bruit que le championnat ivoirien. C'est que vous avez échoué. C'est que vous avez échoué. Enfin, on peut prendre un joueur à la sec. Il va venir jouer dans l'équipe nationale. Et puis, il va montrer que là, ceux qui jouent en Bengue, ils sont rien. Parce qu'il y avait des pépites. Il y avait des enfants qui étaient là, qui étaient prêts à mouiller le maillot. On a connu ça. Pourquoi on ne connaît plus ça? Mais tu ne peux pas jouer un championnat ivoirien et puis tu es payé à 25 000 par mois. Un enfant qui sait jouer au football et puis il est payé à 25 000, vous voulez qu'il joue au ballon en Côte d'Ivoire? Non, il préfère aller jouer au tchin-tchin. Tchin-tchin au moins là c'est 100 millions, même si tu ne sais pas à quand ils vont te donner. 100 millions là, en deux mois. 100 millions. Même si tu ne sais pas quand ils vont te donner, mais un jour ils vont te donner. C'est beaucoup d'argent. Donc les enfants préfèrent eux-mêmes se garder, venir jouer Maracana. Actuellement en Côte d'Ivoire, c'est Maracana qui prend. Le championnat ivoirien est pourri. Est pourri. Et tant que ça sera pourri, on va voir les résultats comme ça. Parce qu'il n'y a pas de formation. Les jeunes ne sont pas formés. Les jeunes, ils donnent pas la chance aux jeunes. Les recruteurs ne viennent plus en Côte d'Ivoire pour recruter comme avant. C'est fini. Donc là, les caissiers et autres, là, ils sont vieillissants. Ça fait combien d'années ils sont dans l'équipe nationale? Les caissiers et autres, là, eux, ils sont tous vieillissants. Regardez l'équipe du Sénégal. Regardez l'équipe du Sénégal. Vous ne voyez pas comment ils sont rajeunis? Est-ce que vous voyez à quel point l'équipe du Sénégal est rajeunie? Parce qu'ils ont appris à former des jeunes. Au cas où, dans un an, deux ans, on voit que tu commences à baisser le rythme, on prend un enfant, on te remplace. Ils ont appris à former des enfants. C'est la formation. Mais en Côte d'Ivoire, là, manger et être rassasié à sa faim, personne ne veut laisser assiette même tomber. Tout le monde veut manger seulement. Ça veut dire que manger. Les fédérations sont laissées pour contre. Regardez-moi, les clubs même là, on ne sait même plus qui joue championnat ivoirien, qui était meilleur joueur du mois. Enfin même là, on s'inquiétait un peu. On partait regarder par Dasek, San Pedro, un peu partout. Mais on savait même qui était meilleur joueur. Le nombre de joueurs qu'ils ont vendu cette année en Europe, on ne sait même pas. On ne sait même pas qui joue pour le championnat. On ne sait même pas qui est là. C'est-à-dire que Africa même est dernier. Depuis que vous connaissez le football ivoirien, là, Africa a une fois été dernier du championnat, une fois. Mais Africa est dernier du... Où est-ce que vous parlez là? Africa est dernier du championnat. C'est que les enfants sont découragés. Ils ont du talent. Mais le talent là n'est pas financé. Le talent n'est pas à leur guise. Ils ont le talent. Mais ils ne sont pas... Et la fédération est là comme ça, peinard. Rien ne va dans le football ivoirien. Ils sont là peinards. Ils sont là peinards. Rien ne bouge. Oui, on accepte. On va prendre un coach. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête. Le coach, mais tu sens que ce n'est pas son domaine. Il ne maîtrise rien. Regardez le coach. Il est troublé. Tu as comme l'impression qu'on l'a mis là et puis on le téléguide au fait. On lui impose des règles. Sinon, un coach qui est normal. Un coach qui est normal. Za est le meilleur de son club. Même Hakim Ziyech, qui joue au Maroc, là, il est stupéfait. Il est choqué que Za n'a pas été appelé. Il est choqué. Parce qu'il ne croit pas. Les deux jouent dans le même club. L'autre est en forme que lui. Et puis celui qui va à la canne, l'autre laisse à la maison. Mais qui est en train de marquer les buts de Galatasaray aujourd'hui?
Mais c'est ça. Tout le match est au coin, au coin, au coin, au coin, au coin. C'est pour dire simplement que voici un Boeing qui est là. Déjà même là, ils nous ont montré qu'ils sont déjà parents. Quand ils sont allés aux élections avec Drogba Didier, mais tous les présidents de club déjà là, ils ont voté pour le gars. Ça veut dire qu'ils ont montré que on vote pour toi, tu fais jouer nos enfants. C'est ce qui est ça. On vote pour toi, tu fais jouer nos enfants. Donc lui aussi, il ne peut pas trahir les présidents de club. Ils sont obligés de prendre eux leurs enfants. Même s'ils sont nuls, ce n'est pas grave. Parce qu'aux prochaines élections, quand ils vont les voter, fédération, ce n'est pas le peuple qui vote. Hein. C'est les présidents de club. C'est les présidents de club. Donc on est obligé de subir. On est obligé de subir les caprices des gens. C'est-à-dire le président de club, s'il veut que son poulet soit dans l'équipe nationale, il va voter pour celui qui veut et celui qui veut qu'il reste. Donc par ricochet, Drogba, ils ne peuvent jamais accepter Drogba à la fédération. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si Drogba vient, mais il y a beaucoup de magouilles que Drogba va accentuer, va mettre les points dessus. Il y a beaucoup de trucs que Drogba va chercher à voir clair dedans. Les signatures de contrat des enfants. Les enfants sont payés à combien? Les enfants sont footballeurs, pourquoi? Est-ce qu'ils ont un local? Vous vous imaginez que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un professionnel de première division, il finit de jouer et puis il prend brouette, il s'en jamais. Il s'en vend savon. Ça, il finit de jouer au Félicia et puis il prend brouette, il pousse, il s'en vend savon. À jamais. Vous, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un joueur de première division de Côte d'Ivoire, il doit dans le salon de ses parents? Les enfants, là-bas sont. La plupart des jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils préfèrent même aller jouer le championnat burkinabé. Ils préfèrent même aller jouer le championnat burkinabé, le championnat malien, le championnat même mauritanien, le championnat guinéen, que de jouer le championnat ivoirien. Je vous dis en vérité, hein, ce qui se passe dans le football ivoirien. Avant, là, on avait des gens, des présidents de fédération, mais qui faisaient la promotion des pépites. On avait les Aruna Dendane, on avait l'académie Mimos Sifcom, qui était bondée de jeunes talentueux, qui était en concurrence avec l'Africa Sport, qui était en concurrence avec l'AFAD, qui était en concurrence avec Rio Danyama. C'est-à-dire les petits là compétissaient parce qu'ils avaient la gnaque. Ils recevaient les salaires. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas. C'est les caissiers là. Y a, si on ne fait rien là, c'est les caissiers là qui ont joué pendant 20 ans. Il n'y a plus personne. Parce que quand tu regardes les après caissiers là, il y a qui? Dites-moi, qui est espoir? Qui est espoir aujourd'hui? Qui est espoir? Il n'y a pas d'espoir, il n'y a personne. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a personne. Donc, ce qui veut dire que cette fédération a échoué. C'est clair. Ils ont échoué. Parce que dans une équipe nationale où il n'y a pas de locaux, c'est que ça ne va pas. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Il faut qu'ils aient le courage de donner ça à Didier Drogba pour qu'il fasse son travail. Le programme de Didier Drogba pendant les élections, le programme était propre. Drogba a dit quoi? Il a dit, je donne un cas à chaque club. Tous les centres de formation seront recensés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus créer des centres de formation comme on partait à la boutique. Tous les centres de formation seront financés pour former les jeunes. Ils auront des équipements adéquats. Tous les clubs de première division, deuxième division, troisième division, chacun aura un quart. Il faut qu'on mette les enfants dans de meilleures conditions. Chaque club de première division sera financé à hauteur de 150 millions. Les gens ne veulent pas. Eux, ils préfèrent prendre. C'est-à-dire que, regardez, on propose 150 millions. Eux, ils refusent. Eux, ils préfèrent prendre 70 millions. Ils disent qu'eux préfèrent 70 millions. Quels 150 millions, là, ils ne veulent pas ça.
ne veulent pas. Le président de club là, ils disent qu'ils ne veulent pas 105 millions. Hein. 105 millions avec car. Ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils vont mettre les enfants dans de bons trucs. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils préfèrent 70 millions. Mais, et puis ils ont vraiment voté pour 70 millions. Hein. 70 millions et puis il n'y a pas car dessus. Hein. Il n'y a pas car, il n'y a rien. Ils ont voté pour ça. Mais c'est parce que c'est un club. C'est trop. On peut pas expliquer. Si ce n'est pas Ado qui a venu dire, hey, vous là, si vous ne quittez pas devant moi ici, là, vous allez me sentir. C'est Ado seul qui. C'est le président de la République qui peut nous enlever dans ça. Nous, on ne peut pas voter. On ne peut rien dire. Les footballeurs ne votent pas. C'est les présidents de club qui votent. Nous, on ne peut rien dire. Si c'était la population qui votait là, il y a longtemps, on a mis Didier Drogba dans son travail. Hein. Didier Drogba, il y a longtemps, on l'a mis dans son travail. Parce qu'il ne voit pas, Didier Drogba, il est un carnet d'adresse. Il est connu mondialement. Donc, ce qui veut dire que Didier Drogba, là, pour faire la promotion de nos enfants qui jouent au foot en Côte d'Ivoire, ça va être très facile pour lui. Mais pourquoi on ne lui donne pas? Pourquoi? Didier Drogba ne peut pas débarquer dans un club avec 10 jeunes, ils vont leur dire qu'on ne les prend pas. Mais regardez le football. J'ai dit Jonathan Morrison a plus de valeur que la Première Ligue ivoirienne. Le tien-tien de Jonathan Morrison est mieux que la Première Ligue ivoirienne. Ben Jonathan Morrison, même, au moins il y a car. Au moins il y a veston. Les joueurs de Maracana, là, ils viennent en costume, ils ont des trucs, ils jouent dans un local bien, bien surveillé. Et puis ils font la promotion de ça de façon très propre. Donc les enfants préfèrent aller jouer Maracana. C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est dommage. Baki disait aujourd'hui dans l'interview. Baki a dit quoi? Ils ont posé la question à Baki, mais pourquoi ça se passe comme ça? Baki dit, ce qui se passe au sein de tout ça, là, c'est grave. On dit, mais pourquoi? Il dit, c'est grave. Si les choses ne changent pas, ils vont tuer le football ivoirien. Parce que chacun veut manger. Chacun veut manger. Chacun veut manger. Chacun veut manger. C'est grave. Les caissiers là, c'est parce qu'ils sont fatigués aujourd'hui qu'ils sont partis jouer en Arabie Saoudite. C'est-à-dire les signes qui ne trompent pas. Les Seko Fofana là, c'est parce qu'ils sont en train d'être fatigués aujourd'hui qu'ils sont allés chercher de l'argent en Arabie Saoudite. Sinon, quand tu es jeune là, quand tu es encore jeune là, tu n'aspires pas à aller jouer en Arabie Saoudite. La plupart des joueurs ivoiriens, tous sont partis en Arabie Saoudite parce qu'ils sont en train de vieillir. Quel que soit leur René Caillé qu'ils ont fait, diminuer l'âge qu'ils ont fait là. Mais ils sont en train de vieillir. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent tous en Arabie Saoudite. Hein. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est le cimetière des vieux. Donc la plupart de nos joueurs là, ils se retrouvent tous en Arabie Saoudite parce qu'ils sont en train de vieillir. Ils sont en train d'être fatigués. Donc, ils préfèrent aller prendre le reste. Mais, en enlevant tous ceux-mêmes qui jouent en Arabie Saoudite, là, il y a quel jeune aujourd'hui promoteur hein, qui promet un football agréable aux Ivoiriens? Le football est mort. Le football ivoirien est mort. C'est mort. Tous vos stars là jouent en Arabie Saoudite aujourd'hui. Eux tous. Parce qu'on connaît déjà le championnat d'Arabie Saoudite. C'est un championnat qui est faible. On va là-bas pour chercher l'argent, on va pour jouer au ballon. On va là-bas, là, c'est pour chercher l'argent. Tu joues un an, deux ans, on te jette. Là, là, tu prends pour gérer ta retraite avec. C'est tout. Donc, c'est pour ça que vous voyez que tout le monde est en train de partir en Arabie Saoudite. C'est l'argent qu'ils vont chercher. Sinon, un vrai joueur qui est en forme, mais il va jouer dans le championnat anglais, championnat espagnol, il va chercher la Champions League, des trophées, un peu de partout. Après, maintenant, il s'en va en Arabie Saoudite. Mais tous ceux-là sont fatigués. Ils sont épuisés. À commencer même par le gardien là-même. Là. Il ne sait même pas faire quel travail dans sa vie. Le gardien même lui-même, il me pose la question si c'est son métier vraiment. Parce que voici le seul gardien de la CAN. Il dit même passoir, mais bloque quelque chose. Il dit même passoir, ça bloque quelque chose. Il n'a jamais vu gardien. Tout ce qu'on tire là, ça rentre.
Tout ce qu'on a tiré dans ce match-là, tout est rentré. Il a dit, quand il a vu coup franc, là, moi, il a crié, voici but. Parce que gardien qui va enlever coup franc, quand tu vois, tu connais. Quand ils ont mis coup franc, là, il a dit, moi, avant qu'il va tirer, il a dit, voici but qui est là. Parce que quand tu vois le positionnement du gardien, tu sais que ce n'est pas son métier. Tu sais que ce n'est pas son métier. Les défenseurs sont fatigués. Les défenseurs, là, mais tu le vois, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Il y a Conan. Conan, là, si je vous demande, vous tous ici, Conan joue dans quel club? Qui peut me dire? Conan, si je vous dis dans quel club, vous me dites-moi, Conan joue dans quel club? La plus grosse escroquerie en 2024, là, c'est le gardien de Côte d'Ivoire. C'est la plus grosse escroquerie en 2024. On prend quelqu'un qui était dans ce balado au quartier. Et puis on le prend, on lui met dans notre poteau. On dit, va jouer. On ne donne pas d'explication aux Ivoiriens. On ne nous dit pas pourquoi on va lui donner notre argent. On dit, va jouer au poteau. Comme si on prenait un jeune dans le quartier, allons jouer au Maracana. On ne nous dit même pas où il joue. Il a fait la quoi comme palmarès. On ne sait même pas. Tout ce qu'on tire, ça rentre. Ça veut dire qu'un gardien, même semblant de tirer, ça rentre. Tout ce qu'on fait, ça rentre. Même les woubis, même là, parfois même là, on va encaisser Bangala là. Hein? C'est-à-dire que. C'est... Mais pour lui là, tout rentre. Même Vaseline, sans Vaseline, c'est comme ça. Tout rentre. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Gardien, même pas Vaseline. C'est-à-dire même à sec, tu fais, bro, ça rentre. Il n'y a même pas peur de blocage. C'est-à-dire, même on peut prendre une fille même dans le quartier, mais on dit, va garder. Voici le défenseur aussi. Les défenseurs là. Regardez comment le gars là rentre. Regardez le premier but là même. Vous avez suivi ça, les défenses là. Des gens qui n'arrivent même pas à surveiller les femmes. C'est un pays, ils vont surveiller. Qu'aux défenses. Des gens même qui n'arrivent même pas à défendre leurs femmes. Dans le quartier, on botte les femmes. On arrache perruque sur la tête. Ils n'arrivent même pas à défendre leurs femmes. C'est le pays qu'ils vont défendre. Regardez mon premier but là. C'est-à-dire que le gars fait vieux. Il fait petite passe. Tout rentre. T'as l'impression que leur cul est ouvert. Tout rentre. Hey! Regardez. Conan. Qui sait où Conan joue? Conan joue à Al-Hilal. Al-Hilal. Son club arabe là, même dit son nom, dit le nom du club, c'est difficile. Et tu dois avaler ta langue pour répéter le club de Kona. Tout est laï dans son club. Il y a un ici qui dit, le football, je cite, hein, la vie est chère, les prisonniers politiques. Mais poste ta caméra, parle aussi. Moi, je ne peux pas tout dire. Moi, je ne peux pas tout dire. Il faut pas poser ta caméra, parle aussi. La vie est chère, là. Ce n'est pas moi seul, mes parents qui subissent. Hein. Ton père aussi est dedans. Donc, parle aussi de la vie chère. Parle aussi des prisonniers politiques. C'est mon papa qui est en prison là-bas. Si tu me parles des prisonniers politiques, c'est ton parent qui est là-bas. Tu vas aller parler des prisonniers politiques. N'importe quoi. Vous avez gâché la vie des gens. Vous venez parler des prisonniers politiques. Quand vous faisiez vos matchs, vous savez combien de personnes on a perdu dans cette putain de vos histoires de prisonniers politiques là? Vous savez combien de parents on a perdu dedans? Quand vous venez parler des prisonniers politiques. Ils auraient dû réfléchir avant de s'engager dans la politique. Bâtard là. On t'a parlé quelque chose qui me parle des prisonniers politiques. Tu sais combien de personnes moi j'ai perdu? Prison encore mieux. Moi j'aurais préféré que mes parents qui aient perdu là soient en prison. Bâtard là. Donc, quand tu prends Aurier, normalement là, les chantiers de métro, les chantiers de tout ce qui est loulou là, Aurier, quand vous le voyez là, c'est un casseur de gravier. Non, normalement, quand tu vois Aurier, c'est-à-dire tu peux l'envoyer sur chantier d'Ado, sur le pont qu'ils sont en train de faire là, les ciments qu'ils sont en train de, les dalles qu'ils sont en train de couler là, ça c'est son travail qui est là. Il a mollé de ça. Un casseur de gravier, là. Il a toujours mollé.
cassait des graviers. Il a bradé ça. On prend un cassette de gravier, on nous sert ça sur un plateau d'or. Il y a des mon défenseurs là même. Ndika. Je ne sais pas, c'est qui. Il y a des mon Sangaré. Il y a deux joueurs même qui mourent mon cœur même. Il y a deux joueurs qui mourent mon cœur. Il y a deux joueurs dedans qui mourent mon cœur. Sébastien Allais là, il s'est mis sur la liste là, c'est pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas joueur, il n'y a plus joueur, ouais. Ou bien c'est comment? Pendant que j'en ai cherché Sébastien Allais sur le terrain, lui il a fait ses publicités. Hein? Pendant qu'ils ont donné chercher Sébastien Allais sur le terrain, le gars a fait ses publicités. Hein? Il est tranquille. Il fait publicité de Awa, publicité de Orangina. Il est en fait ses publicités. C'est tout ça là, Zaha voulait éviter. Faut les voir, le bol de riz là. Il y a moi les attaquants. Les gens, je répète toujours, les gens les Ronaldinho, les gens les Sadio Mané. Tu sais que c'est un footballeur qui arrive. Sadio Mané, c'est un guerrier qui arrive. Les gens, les vrais attaquants, Mohamed Salah. Les gens les quoi encore? Les gens les Mahrez. Les gens les qui encore? Les gens, tu sais que quand tu dis son nom, tu sais que c'est un attaquant. Nous, on a Boga. Boga. Jérémy Boga. Nous, on a Boga. Boga. Christian. Boga. Christian. Ça veut dire que l'attaque, on voit là, tu Boga. Tu sais que quand tu attends Boga, tu dis non, vraiment, voici un garçon qui arrive. Boga. Mais nous, on a Boga. Bamba. Diakité. Comme taureau. Il ne crée pas de situation. Lui, il court son mandre. On dirait bœuf. Il veut tout casser. On n'a même pas des gens. Même la Mauritanie, ils ont quoi un style de jeu mieux que nous. Mais les Mauritaniens ont marqué des vrais buts. C'est-à-dire qu'on regarde l'attaque de Côte d'Ivoire. Où est vos attaquants? Christian Crasso. Ce qui peut me tuer, même, c'est Crasso même. Crasso, maman. Crasso. Crasso, c'est joueur. Crasso n'attrape plus sorcier. C'est pas Crasso qui attrape sorcier matin, midi, soir. Là. Les Crasso, encore une fois, c'est les attrapés de sorcier. Crasso, c'est joueur. Maman. Chacun doit être bon dans son métier. Les crassons, encore une fois, c'est les attrapeurs de sorciers. La preuve en est, le crasson, encore une fois, fait bien son travail. Les crassons, encore une fois, c'est les attrapeurs de sorciers. Il y a les étignons, on ne doit pas les mettre en attaque. Il y a les étignons, on ne doit pas les mettre en attaque. Il y a les étignons, on ne doit pas mettre ça en attaque. Christian, on ne doit pas mettre Baoulé en attaque. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça. On ne doit pas mettre Baoulé en attaque. Bon, le joue toujours sur le côté. Un bon attaquant ivoirien doit être bêté. Peut-être bêté impalable. Crasso, là, c'est un faux bêté. C'est pas un bon bêté. C'est, mais il n'est même pas bêté. Un vrai attaquant de Côte d'Ivoire doit être bêté. Il doit être bêté. Hein? Quand l'attaquant dit, il va être bêté. Il va être bêté un bagarre, bêté impalable. Bétem lutter. C'est pour ça que la plupart des attaquants bêtés qu'on a eu à l'attaque là. Ils se sont battus. Les milieux de terrain là, ils peuvent Djoula. Parce que Djoula, vous savez où? Ils commercialisent tout. Si tu l'as pas donné, si tu n'as pas donné là à Djoula, en tout cas, il va te faire la passe. Hein. Si tu veux payer mal dans mes Djoula, c'est pour ça qu'on met Djoula toujours au milieu. On met Djoula toujours au milieu. Comme ça, si on veut le vendre le match là, le temps qu'il va aller se marquer, on peut le tacler. Un bon Djoula doit jouer milieu. Un bon milieu doit être Djoula. Ah, c'est comme ça. Un bon ailier. Un bon ailier, il doit être Yakuba. Comme ça, quand on sent le ballon que le bêta a raté là, Yakuba a gâté. Quand on sent depuis le bêta rate,
Mais si ballon à terre, Yacouba peut t'aider pour mettre dedans. Un bon, c'est que les trois attaquants là, ça doit être constitué de baoulés. Parce que les baoulés là, ils ont fini à fuir le pays. Mais dès qu'il y a un petit truc, ils ont fini à toucher le mur. Dans les ailiers là, le côté droit, on met Yacouba. Mais Yacouba là, si le BT là, bouka dedans. Tête là, c'est balèze. Est-ce que vous comprenez? Là au moins, c'est que le palabre a raté. Yacouba n'a pas raté. Le ballon, on le met sur le côté. Eux, ils sont rapides. Ils ont fini à changer de bord. C'est pour ça que même dans la politique, là, vous pouvez avoir un ballon aujourd'hui ici. Demain, là, il va dans un autre parti. Demain, là, les ballons sont comme ça. Ils sont un peu partout. Donc, c'est pour ça que Gervinho, là. Ils ont toujours mis Gervinho sur le côté. Les ballons, c'est des fuyards. C'est des gens qui aiment bien disparaître. Les Djoula, là, c'est les gens qu'il faut mettre au milieu. Moi, le temps, ils vont payer Mac dans sa main. Là. On peut le tacler quand même. Mais si tu mets un Djoula en attaque, si tu as payé Mac dans sa main, fais un commercialiste, tout est gay. Mais il ne va jamais marquer. Il ne va jamais marquer. On ne met pas Djoula aussi en défense. Est-ce que vous comprenez? On peut mettre aussi Djoula quelque part en défense. Mais les Boka tu. Les Eboué Emmanuel, vous avez vu Eboué, c'est un baoulé là, je suis côté. Les Zoromac, bêté même encore, bêté encore, bêté doit jouer de défense. Mince! Ce mec qui doit jouer sur le banc là, c'est les Senoufo, les Mauka, les Bourreaux. Voilà, eux, ça c'est pas les footballeurs. Ça c'est pas les joueurs. Il y a des ethnies dans Côte d'Ivoire. Eux ne doivent pas jouer ballon. Comment on prend Dida pour mettre en attaque Crasso. On prend Baoulé pour mettre en attaque Christian. C'est-à-dire que tout est foutu dans le pays. Alors que les vrais joueurs de Côte d'Ivoire, ce sont ces quatre ethnies-là. Yacouba. Non, cinq ethnies. Yacouba, Bété, Baoulé. Guéré aussi, hein. Guéré est nerveux dans le ballon. Oui, Guéré est nerveux dans le ballon. Lui, on a connu le vrai guéri. Mais les autres ethnies, là. Jamais c'est nouveau. C'est nouveau même là. Petit vent seulement, ses pieds là sont en l'air comme ça. C'est nouveau même là. Même, ils vont même pas le masser, il va tomber. Petit pied. Jamais c'est nouveau. C'est nouveau pas sa place sur le terrain. Ce nouveau, c'est un ramasseur de balles. C'est comme ça. Mais l'équipe n'est plus constituée. Comment tu peux mettre un Djoula dans poteau. Mais si on. Fofana, il cherche quoi dans poteau? S'ils ont payé, s'ils l'ont payé là, lui va laisser les buts. Mais eux là, c'est le guerre. Fofana, si on l'a payé, laisse marquer. Voilà. Fofana, s'ils l'ont payé, il laisse marquer. Eux, c'est le guerre. Faut mettre des ethnies qui n'aiment pas le guerre. C'est comme ça. Y'a maman. Le pays ici. Demain là, tous les Ivoiriens, je vous demande pardon. Supportons la Gambie. On doit prier Dieu car on va faire nul au Seigneur. L'équipe s'y doit faire nul. Au moins ils ont 2 points. On est relancé encore. On prend les meilleurs troisièmes. C'est à partir de 3 points. C'est à partir de 3 points. Guinée équatoriale nous a gagné 4 à 0. Imagine si Sénégal nous attrape. Guinée équatoriale, ils nous ont gagné 4 à 0. Eri, où le ballon va dégoûter les Ivoiriens. C'est ce qui arrive là-haut. Où ça va dégoûter les Ivoiriens. C'est ce qui arrive. Guinée, Équatoriale, nous avons gagné 4 à 0. Imaginez Sénégal. Sénégal même là. Eux, ils ont gagné encore Cameroun 3 à 1. Ils ont gagné Cameroun 3 à 1. On va gagner Sénégal. On va rêver.
Sénégal, eux ils disent que ils sont pas venus pour gagner quelqu'un. Ils sont venus apprendre, ils sont venus montrer à leurs jeunes comment on joue les compétitions. C'est pour ça qu'on les a posé des questions sur Cameroun. Ils disent non, eux ils sont venus prendre plaisir. Eux ils sont pas venus pour voilà grande chose. Donc les enfants sont libres dans leur tête, ils n'ont pas de pression. Vous avez vu comment ils ont fait ouvrir les Camerounais si télé. Vous avez vu comment ils ont fait courir les Camerounais. Les enfants, ils ont 15 ans, 16 ans, 20 ans. Mais des enfants qui n'ont jamais mougou dans leur vie. Ils n'ont jamais mougou. La plupart de vos joueurs, là, ils se sont tous mariés. Les joueurs sénégalais, ils n'ont jamais mougou. Les enfants, là. Ils n'ont jamais mougou. Hey! Ça veut dire que où ils sont là, là? Ils sont frais. Même à Oko, ils n'ont pas encore beauté. Donc, ils sont là, là. Ils sont frères, tout est frère, frère en eux. De toute façon, les enfants, là, couvrent. C'est Dieu celui qui connaît. De toute façon, les enfants sénégalais, là, couvrent sur le terrain. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tiens! Il y a les Camerounais, ils étaient en train de tourner en rond sur le terrain, comme ça. Et, oh! Quand on dit sénégalais ne mourront pas, là, c'est vrai. Sénégalais ne mourront pas, où? Ceux-là, ils ont des Kaya Bangala chez eux là-bas. Puis un Bangala qui est toujours dormant. Ça ne mourra pas, c'est toujours dormant. Le jour, ça se lève. Mais Sadio Mané est vieillissant. C'est pour ça qu'il s'est marié. Sadio Mané est vieillissant. Sadio Mané, ils vont trouver son remplaçant. Hein. Il est là juste pour l'expérience. Sinon, Sadio Mané est vieillissant. Les Drissa Gana Gueye, tout, les papes Diouf, tout ça. Et on les a tous enlevés. On les a tous enlevés plutôt. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont vieillissants. Sadio Mané, ils vont trouver son remplaçant. Hein. Même Crépin Diata, ils l'envoient en défense pour donner la place à un attaquant. Tous ceux qui sont vieillissants, ils sont en train de les enlever un peu dans l'équipe. On cherche leur remplaçant. C'est comme ça. Même les meilleurs consommateurs d'huile, eux-mêmes ils évitent de manger d'huile. Les Sénégalais là, c'est les meilleurs consommateurs d'huile. Les Sénégalais, c'est les meilleurs consommateurs d'huile. Eux là, Tchep là, c'est imbibé d'huile. Tchep est imbibé d'huile. Mais quand ils sont en regroupement là, ils ne touchent pas à ça. Mais si tu as vu bol de riz de caissier, est-ce que vous avez déjà vu bol de riz de caissier? Vous avez vu bol de riz des éléphants de Côte d'Ivoire. Les joueurs, tu manges un peu, tu prends un petit dessert, tu manges pour être résistant. Là. Si vous avez vu leur bol de riz, Yeri, sauce tomate là, Yeri, huile là, badigeonne dessus qu'on boit. Sauce graine, c'est imbibé. C'est-à-dire que sauce graine n'est pas. Leur bol de riz, les enfants là, les enfants qu'on joue aujourd'hui là. Il a dit le tchep. Il n'a pas dit la tchep. Il a dit le tchep. Est-ce que vous voyez? Le tchep là-bas, là, c'est huilé. Mais quand ils vont en sélection, ils ne mangent pas ça. Parce qu'ils savent que huile. Mais nos éléphants, leur affaire de sauce copée, sauce graine, sauce arachide. Moi, je n'ai jamais vu une équipe qui mange sauce arachide que les éléphants de Côte d'Ivoire. Hein. Mince. Sauce arachide. Zaha a dit, ah, les gars, on est des professionnels. Arrêtez de manger sauce arachide. Ils ont enlevé Zaha dans le groupe. Zaha a dit, on est des professionnels. Arrêtez de manger sauce arachide. Ils ont enlevé Zaha. Quand ils disent ça, ils deviennent les sorciers. Sauce arachide. Gaba, des joueurs qui se mettent dans leur chambre pour manger Gaba. Eux, ils se mettent dans leur chambre pour manger Gaba. Et ils se cachent pour aller manger Gaba. Sauce arachide, sauce graine, sauce tomate. Il y a une photo ici, là. Si vous avez vu bol de riz des joueurs, là. Un joueur, normalement, c'est une louche. Ou bien, normalement, quand vous êtes en préparation, c'est une louche. Je dis, si vous voyez leur bol de riz, Rick est devenu un joueur. Il dit, Rick la bouée juste quand tu te demandes, est-ce que ceux-là ont abdos même?
Rila bepi sauce les versets dessus pour un point. Et puis mange pas un cuir. Joueur de Côte d'Ivoire, c'est quand il y a caméra qui met les fourchettes devant et quoi? Dès que caméra quitte là, c'est elle-même qui mange. Hein? Tu vois, il est beaucoup. Qu'est-ce même là, ils sont riés peut-être beaucoup comme ça. Il est mince. Et puis, ça s'arrache quand tu demandes, on dit, ah, c'est la vieille qui a préparé pour envoyer. Hein? La vieille aussi, là. Son enfant est footballeur. Donc, quand elle prépare son graine, là, c'est toute la souffrance qu'elle a vécue dans sa vie, là, pour que son enfant vienne de même footballeur, là. Elle met dans la sauce graine. Donc elle laisse la sauce graine devient pâteux. La sauce arachide devient pâteux. C'est pas comme nous là. Tiens. Quand on était encore dans nos moments de galère là. Tu vois même quand tu es bengis, quand tu arrives à la manière que la vieille elle prépare. Et puis ça n'a pas même goût quand tu étais galère au quartier. Quand tu étais galop au quartier là. Quand tu viens mettre sauce graine là. C'est même encore plus mon dessert. Mon cher. C'est liquide comme ça. Sauce graine, on veut si riz. Riz est toujours blanc. Tellement tu seras rien dans le quartier. Tu seras rien dans la famille. On te sert sauce graine même là. Il est toujours blanc. Tellement sauce graine. C'est borokoji. Mais hein, quand tu quittes en bengue maintenant, tu vois pas que ta sauce graine pèse. Ta sauce arachide pèse. C'est comme ça, imagine. La maman d'un footballeur. Maman, il faut me faire sauce arachide. Tu m'envoies à l'hôtel. La maman dose juste en huile là même là. Il dit, tu peux enlever huile là-dessus pour aller vendre un gabadrome. C'est comme ça. Donc, la Côte d'Ivoire est bien mal qualifiée. Hey, je me rappelle, il y a un frère sang dans le temps. Hey, Galet n'est pas bon. Hein? Dans le temps, Cathy, il y a un frère sang. Ça, c'est un petit joula. Un jour, il m'invite, il me dit, allons manger chez nous à la maison. Moi, je lui dis, ah, dès qu'on finit de manger chez toi à la maison, on continue chez moi. Parce que on mange et puis après, on vient manger chez moi. Il dit, j'arrive chez eux à la maison, frère. Il sait qu'il va recevoir cette vidéo, mais il est full comme ça. Il dit, chez vous, sinon, on sait manger aux gens. Il dit, ouais, que non. En tout cas, mon maman, seulement, là, c'est Dabali, là. C'est une famille d'oula, je répète. Il dit, il était beaucoup comme ça, moi et lui. Aïe. Il dit, sauce, là, ils ont envoyé. Jusqu'à aujourd'hui, je lui parle de ça. Sauce l'est beaucoup. Pour moi, là, en bas de sauce, c'est viande qui est remplie. Hein. Parce que vous savez que chez nous, à l'ouest, là, nos parents, ils font tous mes viandes dans sauce seulement. Là. Et je vous paye ça. Pour moi, c'est viande qui est remplie dans sauce l'est. C'est pour ça que sauce l'est beaucoup. On paye, c'était dans un gros bol. Yeri. Rendez-vous en bas battue. Yes. Avec un poisson maille sec. Un poisson maille sec, mon cher. Faut me demander de chercher viande dans ce sens-là. Il me dit, il n'y a pas viande, hein, que c'est moi. Poisson là qu'elle a, on cassé en deux. Il dit, merci, tu as vu une sauce là. Il y a rendez-vous en bas, va tuer ça. Mais aujourd'hui là, yeah, quand il rentre au pays là, ils ont qu'à de lui faire rendez-vous en bas encore. Yeah. Alors, ils n'ont pas qu'à de lui faire rendez-vous en bas. Pour ça, c'est fini. Ça, c'était l'époque. Mais hein, ce jour-là, c'était ma première fois de manger riz. Il y a beaucoup d'eau. Hein? Tu finis de manger riz là, non? Puis tu bois sauce là maintenant. Et puis, c'est bien pimenté aussi. On arrive chez nous. Faut voir les animaux dans la sauce, mon cher. C'est la période où tu te dis, mais merde. Mais lui, la foutaise, quand lui va venir chez nous, moi, il vient. Mais on était très bons amis. Hein. Très, très bons amis. Donc, la famille, quand il va se qualifier, quand il va être sur la route pour se qualifier, c'est très, très important. Mettez assez de cœur
partager la vidéo, c'est très important. Et pour tous ceux, aussi, famille, puis tout ce qui est dans le direct, faut épingler le numéro, s'il te plaît. Pour toutes ces personnes, on dit bien, pour toutes ces personnes qui aspirent, écoutez-moi très bien, parce que vous aimez ballon, mais votre avenir ne vous dit rien. Puis tout ce qui est là, faut mettre le numéro en commentaire, s'il te plaît. Pour toutes ces personnes qui aspirent venir étudier en Europe, pour toutes ces personnes qui aspirent venir étudier en Europe, que ce soit la France, le Canada, l'Espagne, l'Amérique, l'Angleterre. Famille, nous avons de très bons projets. Pour tous ces jeunes qui aspirent venir, s'il vous plaît, profitez de la situation. Profitez de la situation. Venez vous former, venez travailler. C'est très important. Quand nous cherchons des partenariats, là, ça vous fait plaisir à nos parents. Quand nous cherchons des partenariats, c'est pour faire plaisir à nos parents en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire seulement. C'est partout en Afrique. Tu nous appelles, ah frère, voilà, moi je vais profiter de... Voilà, le numéro c'est le plus 225. Le plus 225. 01 61 01 10 63. Bon, excusez-moi. Le numéro c'est le plus 225. 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Écoutez très bien, je répète. Le numéro, c'est le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Tu veux voyager sur la France, tu veux voyager sur le Canada, tu veux voyager sur l'Espagne, l'Italie, un peu partout pour venir te former, faire des trucs. Voilà, ton destin est dans ta main. On a un très bon projet qui est là, qui vous permet quand même de venir vous former. Arrêtez de croire aux gens qui disent « Oh, tu vas aller faire quoi en Europe ?» Quoi ? Viens te former ici pour que demain, quand tu rentres, on te respecte. Viens te former. Viens faire quelque chose. Voilà. Ne croyez pas à ceux qui disent que vous allez venir faire quoi ici. Ne le croyez pas. Eux, mais viens chercher quoi ici. Quand les présidents sont malades, ce n'est pas ici qu'ils viennent se soigner. Donc, profitez de la situation. Je dis le numéro encore, je répète. C'est le plus 225. 01. Attendez, je vais épingler. Comme elle n'est pas là. C'est quoi ça? Voilà, j'ai épinglé. C'est le plus 225 01 61 10. Voilà, tu veux venir te former, tu veux apprendre, tu veux faire beaucoup de choses partout que tu sois en Afrique. Partout que tu sois en Afrique. On fait des recrutements partout en Afrique. Il n'y a pas, oh, comme ils sont les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens, on prend. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Voilà, on est déjà à succès. On a des gens qui ont commencé à venir déjà. Voilà, donc par WhatsApp, vous m'envoyez un message à l'UNIC, franchement. Je fais partie du projet. L'UNIC, franchement, aide-moi. L'UNIC, franchement, je vais aller travailler en Europe. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Voilà, la structure avec laquelle on travaille, c'est une structure vraiment fiable. Bonne. Efficace, je vous le dis. C'est très, très efficace. Donc, profitez de la situation. Voilà, pour tous ceux qui nous connaissent, on a une entreprise en Côte d'Ivoire qui tourne et tout. Et qu'on doit travailler dans tout ce qui est... Voilà. Maintenant, pour ceux... Peut-être que tu es en Europe, tu es partout dans le monde. Tu aspires à acheter un terrain, une maison, une voiture en Côte d'Ivoire. Un terrain, une maison, une voiture en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas à qui te fier. Tu te dis, mais ouais, ah, est-ce que je ne vais pas investir mon argent dans quelque chose, puis ils vont voler, ils vont me... Là, notre structure est là. On fait dans l'immobilier. On a des terrains qui commencent à partir de 2 millions jusqu'à 200 millions. On a des sites de combien de milliers d'hectares. Frère, achète ta part de lot de terrain. Si tu ne veux pas quitter un jour en Bengue ici et puis te retrouver en brousse, achète ta part de lot de terrain. Achète ta maison. On a des maisons qui commencent à partir de 50 millions jusqu'à monter. On a des maisons qui commencent à partir de 50 millions jusqu'à monter. C'est-à-dire que tu veux une maison de 50 millions, en tout cas, on te donne une maison de 50 millions. Tu veux une maison de 100 millions, tu veux un terrain de 4. On dit on a des terrains de 4 millions jusqu'à combien de millions? On a des hectares pour ceux qui veulent, peut-être qu'ils ont des projets immobiliers.
ils ont qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent ouvrir une entreprise, une société. On a des hectares de terrain. On a des hectares de terrain. Profitez de BBDM. C'est très important. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter, pour construire leur petite maison, frère, profite de la situation. Je sais pourquoi je vous dis ça. La Côte d'Ivoire devient très technique. Et ceux qui ne vont pas profiter dès maintenant ne profiteront jamais. Est-ce que vous comprenez? Tu m'écris simplement à l'Uni, franchement, je veux un lot, je veux un terrain, je veux un truc. Nous, là, c'est fiable. C'est 200% fiable. On n'est pas dans les gens, dans le bon des gens qui font les magouilles et tout, qui emmettent les gens. Nous, on n'est pas dedans. Nous, quand tu viens là, tout se passe devant un notaire. Les papiers sont propres. Nos maisons sont là. Nos télés, quand je suis en direct. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. Maintenant, ceux qui veulent leur voiture, est-ce que vous m'entendez? Ceux qui veulent leur voiture en Côte d'Ivoire, qui veulent acheter des voitures, qui veulent acheter des trucs, on a tout ça. Est-ce que vous comprenez? Profitez de la situation, s'il vous plaît. Le numéro de l'épinglé, c'est le plus de... Écrivez en même temps. Écrivez, parce que quand j'ai coupé le direct, ça va s'effacer. Donc, écrivez le numéro. Si vous avez un calepin, si vous avez quelque chose, écrivez le numéro. On a les terrains dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Voilà. Que ce soit Abidjan, Sangon, Anyama, Ebimpe, Yamoussoukro, Boaké, San Pedro, Bassam, Jacquesville, Assini. En tout cas, un peu partout où vous voulez. Où vous êtes intéressé. On a des terrains partout. Partout. Même si tu veux acheter à Korogo. On a des terrains partout. La preuve en est, j'ai un hôtel que je vends. C'est à Korogo. L'hôtel est à Korogo. J'ai un terrain à Angré. 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés à Angré. C'est déjà clôturé. Tout est déjà propre. Famille, faites-nous confiance. Vous allez voir le travail qu'on fait pour certaines personnes dans le noir. Parce que la plupart des gens qui achètent chez nous, ils ne veulent pas qu'on présente leur projet sur Internet. Sinon, on a des gens qui viennent acheter chez nous, mais qui ne veulent pas qu'on présente. Parce qu'on a besoin de pub, mais ils ne veulent pas. Ils disent non, qu'eux, ils préfèrent acheter, mais dans l'anonymat. Venez voir comment on travaille. Venez voir comment on travaille dans l'immobilier. Nous avons des experts en immobilier. Nous avons des gens qui vont vous suivre de près. On construit jusqu'à votre maison. C'est-à-dire tu peux être en Bengue, acheter un terrain avec nous et puis nous donner la construction. On construit ta maison comme tu veux. On a des gens qui sont là pour ça. On a des personnes qui sont adaptées pour ça. Et c'est moi et l'autre, on est sur le terrain. Ça ne chauffe pas. Zéro malhonnêteté. Il n'y a pas de malhonnêteté dedans. Personne ne peut lever son doigt pour dire que non. Oh, depuis qu'on a commencé à travailler avec l'Unique, avec l'Oli, là, ils ont bouffé nos 5 francs. Ça ne commence pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lever son doigt. Parce qu'on travaille dans la fiabilité. C'est notre slogan. Profitez, prenez le numéro. C'est le plus 225 01 61 10 63 89. Par WhatsApp à l'Unique. J'ai besoin de toi. Pour ceux qui veulent voyager, profitez aussi. Pour ceux qui veulent acheter des biens immobiliers en Côte d'Ivoire, profitez. Nous avons des maisons qui sont déjà disponibles. On a fini le... En tout cas, on a fini un quartier. Même à Benjaville, actuellement, on a fini un quartier. On a des maisons un peu partout. Profitez de la situation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.